jour que Père Loup part chasser dans la jungle, il découvre un petit bébé brun. Il le prend délicatement dans sa gueule et le ramène dans sa tanière. Père Loup l'adopte aussitôt et se met à l'allaiter. Il l'appelle Mowgli. Mowgli grandit donc au cœur de la jungle, aux côtés de ses frères loups. Un jour, tous les loups se réunissent avec le grand loup Akela, le chef du clan, ainsi que l'ours Balou et la panthère noire Bagheera, et décident que Mowgli sera élevé comme un enfant de la jungle. Et que Balou et Bagheera veilleront sur lui et lui apprendront la loi de la jungle. L'ours Balou apprend à Mowgli à grimper aux arbres et à reconnaître tous les bruits de la forêt. Balou est fier de son petit don. Il sait courir aussi bien que nager, parler poliment et demander pardon. Dans la jungle, les dangers sont nombreux. Bagheera apprend donc à Mowgli de se méfier des hommes et des pièges qu'ils tendent aux animaux. C'était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. Il sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. Une nuit, lorsqu'il retirait son filet de la mer, il le trouva vide en essayant autrefois. Quand il retirait son filet, il entend une voix douce vient du filet. C'était un poisson émerveillé qui implora « S'il vous plaît, pêcheur, remis-moi à la mer et je peux t'aider. » Le pêcheur était surpris, ne savait ce qu'il fait. Enfin, le prenant délicatement entre deux doigts, il le rejeta. Le petit poisson remercia le pêcheur. À son retour, il trouve sa fille Sarah devant la porte de sa cabane. Il était très content. Elle lui annonça qu'un homme était venu et apportait un coffre plein de pièces d'or. Le pêcheur retourna à nouveau au bord de la rivière et crie de toutes ses forces « Petit poisson d'or, petit poisson d'or !» Celui-ci sortit de la mer enfin et demanda du pêcheur ce qu'il veut. Le vieux pêcheur lui répond qu'il veut remercier pour son aide. Au plus profond de l'océan se trouve le château du roi de la mer. Père de 6 charmantes sirènes, la petite sirène la plus jeune et aussi la plus belle de toutes. À l'âge de 15 ans, chacune d'elles peut monter à la surface, observer le monde au-dessus des vagues. Quand vient aussi 100 tours, la petite sirène s'élève légère comme une bulle. Elle aperçoit alors un navire où l'on danse pour fêter l'anniversaire d'un jeune prince. Mais une tempête survient provoquant le naufrage. La jeune sirène sauve le prince de la noyade et elle tombe éperdument amoureuse. Elle décide alors de sacrifier sa queue de poisson et sa voix merveilleuse pour découvrir la vie des humains. Et si son beau prince épouse une autre femme, le cœur de la petite sirène se brisera et elle se transformera en écume. Au revoir. Au revoir. Cette histoire contient une grande leçon de morale pour les paresseux. Il était une fois une petite poule rouge qui vivait avec ses amis paresseux. Le chien dormeur, la loi bavardeuse et la chatte orgueilleuse. La petite poule rouge se dépêcha d'arracher les mauvaises herbes. Un jour, les graines se transforment en pousses. Puis elle a demandé à ses amis qui voudraient l'aider à s'occuper de ses pousses de blé. Mais tout le monde a refusé. Un jour, la petite poule rouge décida de préparer une tarte et elle a demandé à ses amis qui voudraient goûter avec moi le gâteau et ses amis ont accepté. Mais malheureusement, la petite poule rouge n'a pas laissé ses amis goûter le gâteau parce que quand elle a travaillé, personne ne l'a aidé. Bon,
Blanche-Neige est une très jolie princesse. Sa belle-mère, la reine, sentant qu'un jour la beauté de Blanche-Neige dépasserait la sienne, dans l'ordre à son garde, chasse de la tuer. N'ayant pas le courage d'exécuter ses ordres, il l'abandonne dans la forêt. À l'insu de la reine, qui la croit morte, elle trouve refuge dans une petite maison de la forêt où habite cette nain. Merci pour votre attention et au revoir. Il était une fois, dans un pays imaginaire, un brave roi vivait avec sa famille dans un grand château. Un jour, il a participé à une guerre pour combattre son ennemi. Malheureusement, il s'est blessé et fut prisonnier. Heureusement, la reine a réussi à s'échapper, mais elle s'est perdue dans les bois. La pauvre a trouvé une maisonnette au fond de la forêt qui appartenait à un nain. Il lui donnait sa fille, puis elle s'est tombée, cœur inerte. Le nain était si gentil, alors elle a élevé la fillette et l'appelait Myriana, car elle ressemblait beaucoup à sa maman. Un jour, le prince du royaume tomba malade. Alors, la fille de nain décida de l'aider. Et avant de partir, Myriana prenait avec elle une potion de guérison. En arrivant et en entrant au château, le roi qui a pris la place de son père fut surpris, car c'était elle la vraie reine du royaume. Il lui disait « Oh, quelle joie de guérir mon fils !» Il lui a demandé ensuite de passer la nuit au château. Myriana lui a répondu « Merci, votre majesté, pour votre gentillesse. » La jeune fille a réussi à guérir le prince, mais le roi n'était pas heureux, car la princesse va devenir un jour la reine. Il voulait se débarrasser de Myriana ainsi de son fils. Le lendemain, il a attendu le bon moment, puis il a poussé la princesse et son fils en haut de la fenêtre du château. Mais le nain a réussi à sauver sa fille et le prince. Le père de Myriana a expliqué à sa fille que c'était elle la vraie reine du royaume. Myriana, moi, une reine? Le nain, tu es la seule héritière du trône parce que tu es digne de porter la couronne. La nouvelle reine était tolérante et généreuse et dirigeait son royaume d'une manière juste et sincère. Et enfin, la reine a épousé le prince du royaume ennemi et vécu heureux pendant toute leur vie. Et merci pour votre attention. Il était une fois une maman chèvre qui vivait avec ses 16 petits chevreaux dans une cabane, non loin d'une rivière. Un matin, la biquette a dit à ses petits « Aujourd'hui, je dois aller en ville porter ces travaux de couture. Il faut que vous soyez sages et surtout n'ouvriez la porte à personne, car il y a un loup qui rôde par ici. » Les chevreaux ont répondu « Mais comment on va le reconnaître ?» La chèvre a dit « Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce, vous pouvez le reconnaître à sa voix. » Voyant la mère partir, le loup alla tout de suite frapper à la porte et dit « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman, j'ai oublié quelque chose dans la maison. » Les chevreaux ont vite reconnu la voix du loup. Ils se mirent donc à crier « Tu n'es pas notre maman, elle a une voix douce. Toi, tu es le loup. » Alors le loup acheta du miel et le mangea. Puis, il alla chez les chevreaux et frappa à la porte et une deuxième fois et dit « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman, je suis revenue de la ville. » Alors, les chevreaux ont vu des pattes qui sont noires. Ils se mirent à crier « Tu n'es pas notre maman, elle a des pattes qui sont blanches et elles sont bonnes. » Toi, tu es le loup. Alors le loup alla jusqu'au moulin, il se roula les pattes dans la farine. Puis il alla chez le chevreau et frappa à la porte une troisième fois et dit « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je vous apporte quelque chose de délicieux pour votre goûter. » Les pauvres chevreaux ont cru que c'était leur mère et quand ils ont ouvert la porte, le loup apparut. Il avait tellement faim qu'il n'en fut qu'une bouchée.
Seul le plus petit, qui était caché dans l'orlo du grand-père, se fait donc lui qui a tout raconté à sa maman en pleurant. Alors la biquette se dit que le loup ne devait pas être allé bien plus loin. Elle commença à le chercher avec son petit. Elle finit par le retrouver. La mère ouvrit le ventre du loup avec des ciseaux, puis elle sortit ses chevreaux sains et saufs. Elle rongeait des grosses pierres, elle les met dans le ventre du loup. À son réveil, le loup a eu bien soif. Il alla dans la rivière. Quand il a perdu son équilibre, il tomba dans l'eau et se noya. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelait Blanche-Neige, qui a perdu sa mère dès son enfance. Son père s'est remarqué avec une sorcière cachée en femme qui a un miroir magique et qui était très jalouse de sa fille. La sorcière a décidé de se débarrasser de Blanche-Neige, mais elle a échoué grâce aux gardiens et aux nains qui l'ont aidée. Un magicien indien vient présenter au roi du Perse un cheval en bois qui permet de voyager dans l'espace. Le roi demande à l'acheter, mais le magicien exige la main de la princesse pour paiement. Le prince héritier désire essayer le cheval. Soudain, elle a disparu. Le cheval se posa sur le palais du souverain du Bengale. Ce dernier a une belle princesse dont le prince tomba amoureux. Enfin, le prince épouse la princesse et demande à sa sœur d'épouser le magicien, car c'est grâce à lui qu'il a retrouvé son bonheur.